Salut à toutes et à tous, amis, c'est Matt Killer et on se retrouve sur un site de Kirby's Dream Land qui est en train de danser d'ailleurs. Kirby? Kirby? Kirby, mon chouchou. Donc, Kirby's Dream Land, on était sur l'île, je sais plus comment elle s'appelle. Et donc, on y va. Tranquillou. Hop. Ah oui, c'était plus que j'avais dit. Pareil, regardez ces petites saloperies là. Hop. Ça, ce sont des noix de coco, j'imagine, un truc comme ça. Bon, il faut les éviter, évidemment. C'est des poissons pirates. Salut! Au revoir. Ah, je sais, je suis un peu intarré sur les bords, mais je suis un peu Yamakaki du Kirby, tu vois. Ça dit tout sur mon passage. Hop. Tarasse. Hop. Voilà, toujours faire gaffe. Le level design est très bon dans Kirby, mais faut toujours. Bah justement, faut toujours faire gaffe rapport au level design parce qu'ils ont fait des petits trucs à la con. Alors là, la noix qui nous tombe sur la gueule. Voilà, on l'a pas volé quoi. Oui. Ah merde, c'est la suite. Ou pas, je sais plus. Alors je sais qu'il fallait faire gaffe ici. Ah, parce qu'en fait, ce que vous voyez juste en dessous qui est gris. C'est ni plus ni moins que la mort, les tréfonds de l'enfer. Voilà. Parce qu'au milieu des petites étoiles toutes mignonnes et tout, bon, il y a la mort quoi. Non, faut l'oublier. Ah mais je crois que c'était comme ça que j'avais indiqué d'ailleurs. Voilà. C'est toujours ce que je vous ai dit, des fois quand on tombe sur la gueule à des ennemis, il faut faire comme ça et on va indiquer. Petite astuce comme ça si vous n'avez pas l'habitude de jouer à ce jeu. Moi j'ai un peu perdu depuis le temps d'ailleurs. Ah putain, c'est vrai qu'il touche pas celui-là. Pas tant qu'il sort. Ah, il y en a marre. Oh bah non, y'a rien à faire ici, bah je me casse. Ah si, c'est le côté quoi. Tellement longtemps que j'y ai pas joué, c'est juste abusif. Bon bah c'est par ici a priori. Dis donc, t'es dangereux toi le poisson là, hein. Hop, et maintenant. Ah putain, oui. On se sent fort à chaque fois, mais faut toujours faire gaffe. Oh la vache, les coups que je me prends dans la gueule, sérieux. Bah mais j'ai peut-être prendre de la vie, hein. Ah oui, quand on va dans l'eau, évidemment, c'est calme. Alors, les bouteilles comme ça nous donnent 2 points de vie. Les gros M, les noix avec un M dedans, nous enfin c'est les tomates apparemment. Déjà à l'époque c'était les tomates, il me semble. Nous donnent des... bah pas de vie, mais enfin si justement tous nos points de vie, pas juste 2. Hein, c'est on régénère tout. Donc bon, bah demi-boss. Si on y arrive, of course. Ah oui, j'aime bien ça. Dans la baleine. On a bloqué la baleine. Dans le ciel. Kirby Rocket s'envole vers d'autres cieux. Crap. Voilà. Toujours faire un peu gaffe à ce petit boss à la con parce que il a voilà. Il a tendance à alterner les attaques un petit peu. Sinon celle-là qui est la moins fatale en fait. La plus fatale c'est celle-là. Parce que vu qu'on passe notre temps à bouger, on sait jamais vraiment où on va se les prendre. Et au final je me suis quand même bien tiré. Voilà. C'était le boss, c'est pas eu de demi-boss en celui-là. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On va regarder la petite cinématique tout de suite pour le Bubbly Clouds. Oh putain, il y a plein de Kirby. Voilà, donc avec une des meilleures musiques de jeux vidéo. Les musiques de Kirby sont excellentes d'ailleurs.
pour la santé mentale, la leçon aussi. Vous inquiétez pas. Alors, oui, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, wesh, sous la vidéo. Je vous en remercie. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ciao. Oh, Cavidance, youhou.